Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis avec Ernesto, énervé. Il s'entraîne à Atlanta, chez Jukao. Il s'entraîne avec les frères Ardila. Il est de passage sur Paris, à Rio. Il a une technique qui est super sympa à partir du arm drag. Ce que j'aime bien en fait avec ce qu'il m'a montré, c'est que c'est vraiment accessible à tout le monde. Donc c'est pour ça que je lui ai demandé de me partager ça. Et puis, let's go. So everybody, whenever you do a basic arm drag and they want to stop it, a lot of guys will post this leg up. So they'll post this leg up. Donc la plupart du temps, quand on vient faire un arm drag, donc vous avez vu, il sort la jambe, arm drag. Donc la plupart des gens, pour défendre, ils viennent lever la jambe. So I'm going to anticipate this, and as I go to the arm drag, I'm going to put both feet on the inside of your leg. Ah, okay. Et donc il va anticiper ce mouvement-là, et pour anticiper ça, et au lieu de laisser juste un, au lieu de sortir classiquement, il va laisser ses deux crochets à l'intérieur. Et il va, d'ici, il va aller attraper ma cheville ou mon genou, peu importe. Both legs on this side of your body. Donc vous avez vu là, les deux genoux ils sont bien du même côté. Le classique en arm drag, c'est-à-dire normalement ce pied-là il était à l'extérieur, mais lui pour anticiper ça, il a rentré ses deux pieds à l'intérieur. De là, il va rentrer, il va tendre une jambe pour venir isoler. Vous avez vu, je suis toujours sur mon genou, on est en single leg X, et en fait la main sur le genou. La main sur le genou, moi, si il n'a pas la main sur le genou, je suis fort ici. Mais dès qu'il va m'attraper le genou, boum, il m'oriente ma jambe et je suis beaucoup moins fort pour venir me relever. Là, il va changer. Vous avez vu, il a rentré sa main gauche à l'intérieur pour faire la même chose, contrôler le genou. Now I'm going to put his knee on the floor and turn my hips. So I'm going to turn my hips and put his knee on the floor, just like this. D'ici, il va venir pour planter mon genou au sol. Il va sortir son bassin et continuer à mettre la pression sur mon genou pour le laisser au sol. Now I'm going to go and I'm going to try to grab the toes far in the foot. And I'm going to pull his foot to my other hip so that I can strike and finish the heel hook. D'ici, il va attraper mon orteil, le gros orteil. Il va le ramener, là déjà ça me tord le genou et ça m'oblige en fait à donner la clé de talon. On est là, arm drag, je défends, il y a ma jambe, il enroule. Hop, il me casse le genou, il contrôle, il me repousse, il rentre son autre jambe. Il contrôle. I felt it here. Really nice, thank you. Remember me, you fought against Joseph, no? What? No, Joseph, but we all won a team tournament. We did B team in the finals, recently, okay. $5,000. Okay. Yeah. What's the name of your team? Jukao team? Okay, ATT. ATT Jukao. Yeah. Okay, so, ils ont fait une compétition il n'y a pas longtemps. Équipe contre équipe, et alors en finale, ils étaient contre la B team. Who won the tournament? We did. Ils ont gagné la compétition. How much money? $5,000, ils ont gagné. Voilà, they paid the holiday in Brazil with this money. That's right. Donc voilà, si vous êtes de passage à Atlanta, n'hésitez pas. Souvent on pense à New York, but Atlanta, there is a really nice gym too, with Jukao, Black Bears. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. En plus, Jukao, il parle français, il pourra vous accueillir correctement. Et puis il y a une grosse team qui s'entraîne sans kimono. Voilà, thank you very much, Ernesto. Thank you. Merci. A très bientôt, n'oubliez pas, likez, commentez, récupérez la vidéo gratuite dans la description et on se voit dans la prochaine. Au revoir.